Ouh, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment utiliser la méthode du maillot de bain facilement? Donc, comment débloquer des projets facilement? Alors, évidemment, c'est la méthode la plus connue, la plus utilisée, même, je pense, pour avoir des projets. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres techniques. Mais j'ai essayé de tester un peu cette méthode pour gagner donc, des projets publics, évidemment. Et donc, vous donner ce qui a marché le mieux pour moi et dans mes deux villes. Voilà. Et ce qui a marché aussi pour une autre copine. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer donc, les projets que j'ai débloqués en à peu près 3 jours. Hein. Je ne les ai pas fait 3 jours d'affilée. Mais bon, si vous voulez utiliser cette technique, il vaut mieux avoir du temps. C'est un conseil. Donc voilà, ayez du temps et ça portera mieux ses fruits. Voilà. Donc déjà, j'ai débloqué celui-là. Donc c'est le pont en briques. Ça, il me semble, je suis pas sûre, mais je crois. Ça, 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 ça. Non. Là, alors les 3 lampadaires qui suivent, je les ai débloqués aujourd'hui. Sauf celui-là, pardon. Ces deux-là, je les ai débloqués aujourd'hui. Je suis plutôt fière. Celui-là. Celui-là. Ça, je l'ai débloqué aussi aujourd'hui. Et c'est tout, je crois, après. Oui, c'est tout. Donc voilà. Alors, donc maintenant, je vais vous expliquer donc, la méthode pour réaliser cette méthode. Voilà. Pour réaliser correctement la chose. Parce que je vois plusieurs tutos qui donnent pas mal de fausses infos en fait. Qu'il faut pas faire. Donc déjà le premier truc, ça va être de vider toutes vos poches et mettre des fleurs dedans. Vous faites pas chier, allez attraper des flocons, hein, ça sert strictement à rien les flocons, hein. Puis c'est très dur à attraper. Vous prenez juste des fleurs, ça ira. Ensuite, aucune clochette dans vos poches, ça servait en sens. Un maillot de bain évidemment, et si vous voulez un mégaphone pour chercher vos habitants si vous n'avez pas envie de chercher trop longtemps. Donc dès que vous avez fait ces 3 étapes, vous allez donc parler à vos habitants. Donc tous les habitants qui sont dehors, hein, que dehors. Je vous conseille de le faire vers 16h-17h puisqu'il y a plus d'habitants qui sont sortis. Après j'ai pas essayé toutes les heures mais enfin moi 16h-17h il y a au moins 5 habitants qui sont sortis dehors. Voilà, et ensuite quand vous leur avez parlé, donc vous allez vous rendre donc à la mer, là je vous apprends rien, et vous allez donc attendre 5 minutes dans le coin le plus éloigné de votre ville. En fait, ça va à peu près réinitialiser le cerveau, je veux dire, de l'habitant qui vous aura pas vu pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, pendant 5 minutes. Voilà. Alors n'attendez pas plus de 5 minutes, ça sert à rien, 5 minutes, c'est largement suffisant. Hein. N'attendez pas 10-20 minutes. Ça augmentera pas vos chances du tout, même ça fera rien. Donc ensuite, quand vous avez fait vos 5 minutes, sortez de l'eau et vous retournez dans votre ville. Et dès qu'un habitant vous interpelle, qui vous propose, je sais pas, par exemple de déménager ou un truc comme ça, même si déménager c'est très rare, enfin moi jamais un habitant m'a proposé de déménager pendant cette méthode, voilà, après peut-être pour d'autres. Donc il vous propose un truc, par exemple c'est pas un projet public, donc vous retournez dans la mer et vous refaites 5 minutes puisqu'en fait l'habitant, enfin un autre habitant ne va pas vous interpeller une deuxième fois, c'est pour ça, donc ça servait à rien. Donc si jamais quand vous faites un tour un habitant ne vous interpelle pas, bah réessayez de faire plusieurs tours, et si vous voyez qu'aucun vous interpelle, retournez dans l'eau, hein, ou reparlez-leur peut-être et puis retournez dans l'eau ensuite. Ça a marché 2-3 fois pour moi, mais bon, faut faire attention. Et donc on peut débloquer 2 projets par jour. Moi j'avance les jours dans Animal Crossing pour que ça marche. Et donc moi dès que j'ai débloqué un projet, j'avance dans nos jours puisque j'ai du mal après pour débloquer les autres. Et donc voilà, donc faut vraiment avoir toute une journée quand même si vous voulez débloquer pas mal de projets. C'est pour ça que moi j'en ai débloqué pas mal en fait des projets parce que j'avais du temps. Et donc voilà, j'espère que vous réaliserez bien cette méthode et n'hésitez pas à me dire si elle a bien marché pour vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!